avons les idéaux, nous avons les preuves de ces crimes, et qu'aujourd'hui il n'est plus possible de faire semblant, il n'est plus possible de dire de parler pas dur, il n'est plus possible de dire que le Hamas transforme les écoles en état-major, en salle d'état-major, les hôpitaux en salle d'état-major. Rien ne justifiait que les 2300 personnes de l'hôpital de Gaza soient déplacées de force aujourd'hui. Rien. Les Nations Unies, le Comité international des droits de l'homme, toutes les instances internationales aujourd'hui réclament un cessez-le-feu. Sauf les gouvernements européens, sauf le gouvernement nord-américain.